plus basse. On aura du son un peu plus sympa que je dirais. À 2500, t'es où? T'es là, paf, enregistrement, c'est parti. Pas que ce soit trop fort non plus. Si on s'entend pas parler. Ouais. Voilà, il y a tout qui filme. Voilà, donc tu passes devant. Tu vas m'expliquer. Alors, attention, caméra. C'est parti. Alors, j'ai deux VCO qui partent dans mon filtre. Donc le 1047. Voilà, deux VCO qui vont dans le 1047. Le 1047. Le multiband. Dans le fameux gros. Ouais, ça déchire quand même. Ensuite on part direct. Attends, Seb, tes VCO, c'est quoi les, voilà, les formes d'ondes, c'est quoi que tu utilises là? Là, j'ai pris un truc tout simple, tout bête, dans le si, et l'autre est en carré, en square, voilà, d'accord. Et là, en fait, ton module, c'est équivalent à deux VCO, c'est ouais, ça ouais, j'ai deux VCO ici. Voilà, t'as deux VCO. Et deux VCO là qui sont pas utilisés. D'accord, voilà, donc tu utilises que les deux premiers. Ok, comme ça c'est clair. Donc tu rentres direct dans le filtre, voilà. Ok, avec les inputs. Là, j'ai le premier VCO. D'accord. Deuxième. D'accord, ok. Ils sont à l'unisson. À l'unisson. Je crois que. Oui. Il y a un VCO qui est en mode LFO. D'accord. Qui module la largeur d'impulsion du deuxième VCO. D'accord, ok. C'est pour ça que j'ai cette espèce de chorus là. Ouais, ok. Donc d'accord, donc un patchage assez simple, hein, vraiment elles sont basiques, mais. Après, sur mon multimode, je suis en passe-bas. Oui, hein. Classiquement, voilà. On dépasse. Je suis en notch. T'es en notch? Je suis en notch, mais j'ai basculé en passe-bas. Là, je vais basculer sur le passe-haut. Ah oui, parce que c'est continu en fait. Là, je suis en notch, je suis en dessous, je suis complètement au centre. D'accord. Et là, je me mets en passe-haut. D'accord. Donc, t'as des belles variations. Ah oui, c'est clair. We'll be right back.